l'occasion de l'inauguration des festivités du Moussem traditionnel de Tantan, en septembre 2004, qui ne s'était plus réuni depuis plus de 30 années, Monsieur le directeur général de l'UNESCO, Monsieur Koichiro Matsuura, déclarait qu'avec la reconnaissance de cette manifestation, le Maroc démontrait ainsi son attachement et son engagement en faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine immatériel, soulignant ainsi que le témoignage vivant des cultures orales et artistiques sahraouies sont une leçon de savoir et de créativité dont nous avons beaucoup à apprendre. Il poursuivait en précisant « Nous sommes là pour voir, entendre, écouter et faire en sorte que ce socle vivant de diversité créatrice puisse continuer à s'épanouir de façon libre et durable. Il y va de notre capacité à l'échange et au dialogue, ainsi que de notre devoir de valorisation des dimensions culturelles et historiques du patrimoine saharien. Les nouvelles formes de tourisme en qualité de vecteur de développement devront prendre en considération développement et protection de cette richesse à partager, à préserver. Le tourisme aura à apporter cette richesse d'accompagnement dans l'élaboration de projets fondés sur le respect des acquis et des besoins de l'autre, mais aussi en ayant l'obligation d'apporter par l'échange les notions d'innovation dans le plus grand respect de l'autre, autant dire avec l'obligation de vouloir se comprendre. Ils auront à parcourir ce chemin ensemble afin de construire une notion patrimoniale renouvelée avec le pur respect de vouloir mieux se rencontrer.